Vraiment, retenez bien, hein. Retenez bien la somme. 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA. Vous savez ce que représentent 20 millions de francs CFA? 20 millions de francs CFA représentent la somme que la FECAFOOT doit mettre dans le budget prévisionnel pour les deux matchs Kenya-Cameroun et Cameroun-Kenya pour aller à Kampala. 20 bâtons qu'on doit, le budget prévu que le ministre des Sports a décidé de mettre dans la facture que là, on doit payer à la FECAFOOT par le ministère des Finances. Donc, il n'y a que la CRTV qui relaie les informations du football camerounais au Cameroun. Donc, monsieur Moelle Combi, 20 bâtons qu'on doit mettre dans le budget prévisionnel pour que la CRTV aille à Kampala. Donc, on met ça dans le budget. Comme vous avez demandé qu'on mette 25 millions pour les équipements. Hein? Les équipements qu'on donne à la FECAFOOT gratuit, là, on doit facturer ça à 25 bâtons. Non, quand même. Quand même, il faut dire que les gens sont en train de lire l'heure sur tous les fuseaux horaires. Les 20 bâtons là, vous aurez ça dans vos têtes. Vous aurez ça dans votre âme. Vous aurez seulement le plaisir d'entendre dire que ce sera 20 bâtons. Mais même quiconque, vous n'aurez pas, parce que ça ne va pas passer. On va vous. Donc, c'est pour ça que tout le temps, vous battez, vous amenez Marc Brice pour que Marc Brice dérange les Camerounais pour derrière demander l'argent qu'il faut payer ça. Parce que nous, vous n'aurez rien. La gestion de la Fédération Camerounaise de football, hein, ou bien la gestion de la gestion des Lions Indomptables, hein, incombe à la FECAFOOT seule. Le ministère des Sports, dégagez! Vous allez dégager. On va vous apprendre à vivre. Et les informations là, hein, en tout cas, vous allez stopper tout votre banditisme que vous faites là. Parce que ça, ce n'est même plus. Ça, ce n'est même plus l'escroquerie, c'est du banditisme. Depuis quand la FECAFOOT s'occupe de la CIATV? Depuis quand? Depuis quand? Même les droits audiovisuels que la fédération demande à la CIATV, ils payent ça. Ils payent ça. Mais occupez-vous de vos journalistes. Hein? Dans les autres médias, là, ils font comment? Si vous, selon vous, budgétisez 20 bâtons, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Faut respecter les gens, hein? Il faut respecter les gens. Parce que on vous a trop laissé. On vous a trop laissé. Et donc maintenant, on rien. Comment on peut demander que la FECAFOOT doit mettre sur le budget prévisionnel 20 millions de francs CFA pour le déplacement de la CRTV? Pourquoi? 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 Non, 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 non. Non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, vous avez demandé. D'abord, la première fois pour les équipements, 10 millions, on n'a pas payé. 15 millions, on n'a pas payé. 25 millions, on n'a pas payé pour les équipements. Et puis maintenant, comme si vous voulez nous montrer que vous êtes plus fort que la force, maintenant, il faut payer 20 millions pour la CRTV. Vous n'aurez rien. Quiconque. On a sorti l'information. C'est-à-dire que ça arrivait comme ça, boum, on a récupéré. Parce que vous passez votre temps à insulter la FECAFOOT.
à raconter les conneries. Et maintenant, nous, on doit accepter que, oui, comme c'est la CIA qui dit, on va donner l'argent. Jamais. Même 5 francs. Pourquoi on ne donne pas aux autres? Pourquoi on ne donne pas aux autres? Vos petites pratiques de détournement, là. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Voilà. Donc, apprenez à respecter les Camerounais. Quand vous allez nous respecter, on va aussi vous respecter. Voilà. De toutes les façons, c'était ma petite vidéo pour vous dire que la CIA TV, le ministère des Sports veut budgétiser le déplacement de la CIA TV à hauteur de 20 millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Ciao.